Le Real de Madrid n'en veut plus de Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real de Madrid, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, le Real de Madrid n'en veut plus de Kylian. En tout cas, ce n'est plus une priorité. Moi, je suis d'accord avec Florentino Pérez. Je suis d'accord avec le Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est un club prestigieux. C'est le meilleur club de tous les temps. Donc, ce n'est pas au Real de Madrid de courir derrière Kylian. C'est Kylian, à Kylian de courir derrière le Real de Madrid. Le Real, c'est un club de prestige. C'est un club. Donc, ce sont les joueurs qui rêvent de jouer au Real de Madrid, les gars. Ce n'est pas l'inverse. Ce sont des joueurs qui rêvent de jouer au Real de Madrid. Ce n'est pas l'inverse. Donc, si je suis Florentino Pérez, je ne cours plus après Kylian Mbappé. Parce que on est le Real de Madrid. C'est le meilleur club de tous les temps. Ce sont les joueurs qui doivent courir après le Real. Ce n'est pas l'inverse. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu veux absolument, ou bien est-ce que tu penses que le Real doit absolument courir derrière Kylian Mbappé? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont ces à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.